messieurs, je vous remercie et vous félicite parce que c'était une partie enlevante. Êtes-vous d'accord? Vraiment, très belle partie. La période de vote est maintenant terminée. Nous sommes en train de faire le compte final. J'en profite pour vous annoncer nos trois invités de la prochaine joute. Sophie Cadieux, la comédienne, Françoise David, porte-parole de Québec solidaire, et puis Sophie Durocher, animatrice et chroniqueuse. Et oui, donc une joute toute féminine après notre joute toute masculine. Et si vous voulez assister à cette partie en studio, ben, vous nous contactez via notre site Internet ou encore au téléphone. Et maintenant, quelques impressions. Jean, troisième présence, mais il me semble que ce soir, c'était la plus enlevante de nos joutes. Écoutez, c'est déjà un grand privilège que de pouvoir dire ce qu'on pense sur une plateforme publique. Alors, merci. C'est tout. C'était un plaisir de vous entendre. Gérard, par rapport à l'Assemblée nationale, aviez-vous les coudées plus franches? Ouais, c'est absolument magnifique comme forum, celui-ci. Tout aussi intéressant que celui de l'Assemblée nationale, dois-je remarquer. Mais yes, ça permet un échange direct. Ça permet un échange et direct. Vous êtes encore plus entendu qu'à l'Assemblée nationale, je vous l'assure. Ah. Laurent! Ben, j'irais dans le même sens que Jean Barbe, effectivement. En ce moment, au Liban, il y a un gars qui est en prison parce qu'il a parlé de sa vie sexuelle à la TV. Donc, je trouve qu'on est quand même chanceux d'avoir le droit de s'exprimer sur autant de sujets. Mais retenez votre vie sexuelle pour un autre passage. Ouais, ben, on n'a pas le temps. Alors, êtes-vous prêt pour des résultats, peut-être? Oui. Ben oui. Alors, voyons qui arrive en deuxième position ce soir. S'il vous plaît, la deuxième position. Ah, c'est Jean Barbe avec 34%, arrive en troisième. Gérard Deltel avec 24%, c'est donc Laurent Paquin avec 42% qui l'emporte. Nous allons le retrouver en demi-finale dans trois semaines, le vendredi 30 octobre. On se donne, nous, rendez-vous la semaine prochaine, 20h. À tous, un excellent week-end. Au revoir et merci à vous tous. Dans un instant, gros plan sur des épisodes extraordinaires de l'histoire de l'humanité. Des Andes au Mexique, offrez-vous un voyage captivant au cœur des anciennes civilisations mayas, incas et aztèques avec les peuples du soleil. Une pilule, une petite granule, jeudi 20h. À Télé-Québec.